Et coucou tout le monde, bon je suis un petit peu luisante, j'ai très chaud. Je vous retrouve pour vous faire l'introduction de ce vlog, il est déjà 18h30, nous sommes lundi. Et j'ai fait l'intro ce matin mais j'étais vraiment pas réveillée et du coup ça partait dans tous les sens. Donc c'est parti pour ce studio vlog, j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude. J'en profite pour vous retrouver dès le début du studio vlog pour vous inviter à laisser un petit commentaire quand vous avez fini de regarder la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. J'ai très peu de commentaires sur mes vidéos vlog et de moins en moins de vues, donc je sais pas s'il y a quelque chose qui vous plaît moins qu'avant, si je sais pas trop, je suis un peu perdue avec ça. Parce que moi j'adore les filmer. Visiblement sur Insta vous êtes content quand je vous annonce qu'il y a un studio vlog qui arrive. Mais il y a beaucoup moins de vues qu'avant. Donc je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas là c'est parti pour la semaine hein, clairement. Je suis un peu fatiguée mais motivée. Demain je vais au chez des créateurs. Aujourd'hui donc j'étais à la boutique. Mercredi je ne travaille pas, du coup je suis à la maison. Et voilà, j'ai pas mal de choses, pas mal de petites commandes clients et tout. Bon, c'est cool, c'est la reprise. Mais c'est lent, mais en même temps ça me permet d'avoir du temps pour bosser sur d'autres projets perso, enfin pro, mais pour moi. Et donc c'est cool. Je vous prépare des petites surprises, notamment la réouverture de la boutique très prochainement. Donc je suis trop contente. Sur ce, je vous abandonne là. Je vais aller finir ma petite journée, fermer la boutique et puis je vous dis à demain. J'espère que ça va. Bon, je vous retrouve ce matin, donc je dis ce matin, mais en fait pas du tout. Il est 14h et nous sommes donc mercredi. Aujourd'hui donc, vu que j'avais fait mon lundi, je n'ai pas à aller travailler à Shinae. Je suis à la maison aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu un peu une matinée difficile. Déjà on va revenir en arrière. Hier qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai rien filmé parce que j'étais dans le rush total. On est arrivé à 14h à la boutique au chez des créateurs pour installer. Donc moi j'ai installé du nouveau stock et j'ai aidé à installer Naïva et Elodie, donc les folies enchantées et la lithothérapie. Donc ça m'a occupé. En fait on a fini à 21h presque, enfin 20h30, et on a mangé ensemble et ensuite je suis rentrée à la maison et j'ai dormi. Ce matin, j'ai passé un peu une matinée compliquée. J'étais pas très en forme, pas très bien. Donc voilà, je me suis pas stressée. J'ai fait tranquille à mon rythme. Et là, je travaille sur l'ordi tranquillement. Et il faut savoir aussi que je fais tranquille aujourd'hui parce que cette nuit, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. J'ai fait le début d'un workbook. Enfin, un e-book en fait que je voulais vous faire depuis un moment et j'étais en train de commencer à travailler dessus, donc ça m'a pris un peu de temps. Mais voilà, donc pour les petites infos, je suis toute décoiffée. Bon là je vais travailler, je pense que vers 15h je vais me bouger, il faut que je fasse des photos et il faut que je m'occupe aussi de faire des commandes clients. Donc voilà, je m'occupais de ça tranquillement et puis voilà.
tout le monde, je vous retrouve ce matin, il est 11h45 et en fait je suis pas très bien, j'ai très mal au crâne depuis ce matin. Donc j'ai traîné, j'ai pas travaillé la matinée, j'ai fait 2-3 petites choses, on a eu un changement de date au niveau du vernissage ou chez des créateurs, donc il a fallu que je change tous les visuels. Et là je suis en train d'emballer des colis, donc je suis en train d'emballer les colis pour les différentes créatrices... pour les dépôts ventes et des colis et un colis concours. Donc là je suis en train de faire le colis pour Tiffany, donc pour son concours. Son concours se clôture demain. Donc je vais lui envoyer un petit message en lui disant que j'étais un peu à la bourre et que je suis désolée. Donc voilà, en sachant que du coup j'avais pas de scotch, donc il a fallu que je me bouge et que j'aille acheter du scotch à Office Dépôt ce matin. Voilà, donc hop. Je fais ça tranquillement et puis après je vais manger et je vais travailler rapide sur l'ordi. Je vais pas non plus me faire une journée de ouf. Et me revoilà, je suis actuellement dans la voiture, je vais en ville. J'essaie de me maximiser un peu. J'avais des petits trucs à déposer à Shinae. Et il faut que j'aille acheter du papier parce que j'ai une commande de la lithothérapie en fait. C'est moi qui lui fais ses boîtes bijoux pour emballer les bijoux quand elle vend un bijou. Et elle en a plus, donc il faut que j'en refasse et donc je dois aller en acheter. Et j'en profite aussi pour aller à Action acheter des petits trucs dont des blocs, voir s'ils ont les blocs de Noël. Voilà. Toutes les personnes qui se demandent à quoi je passe mon temps dans ma journée et où passent les heures de travail. En fait, je travaille pas. Je répare mes conneries. Voilà, je suis ravie. Actuellement, je ne sais pas, 16h et je suis en train de travailler. J'ai, depuis ce matin, pour faire un petit bilan, hier je vous ai emmené en ville. Je suis allée en ville très rapidement et après je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée de la maison, je me suis occupée des chiens et après je me suis reposée, je crois. Et là ce matin, depuis ce matin, donc ce matin journée efficace, je me suis levée, je suis allée faire du sport, je suis allée promener les chiens. Et après je me suis mise sur l'ordi. Sur l'ordi, j'ai bossé sur des visuels. Je suis en train de monter en fait toute la com visuelle autour de mon agence de com. J'aime pas utiliser ce terme, donc moi j'utilise plutôt le terme de agence d'identité, conseil en identité numérique parce que, ou en image numérique. Parce que en vrai ce que je fais c'est pas vraiment une agence de com. Déjà je peux pas prétendre à une agence de com alors que je suis toute seule dedans.
J'ai pas d'employé, j'ai personne. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est favoriser vraiment le travail de communication sur les petites entreprises et rendre accessible la communication aux petites entreprises. Donc, j'ai créé tout plein de visuels, le compte Insta, etc. Je me suis occupée aussi de poster sur les comptes Insta que je gère, ce qui est quand même très important. Et j'étais en train, enfin en tâche de fond dans mon cerveau, je suis en train de réfléchir à des idées de com pour cette agence. Bref, voilà, et donc là j'ai tout ça comme produit pour la boutique, plus une pochette entière avec plus tout ça en fait. Voilà, ça c'est mon listing, j'ai revérifié en fait, je vais revendre, je vais essayer de remettre sur la boutique en ligne. Tous les produits, je vais les photographier, etc. Tous les produits des box passées, je vais les mettre en vente en fait, tout simplement, mais de manière, comment dire, individuelle. Donc là, par exemple, on a la résine du mois de mai, je crois, et ça du mois de juin. Voilà, qui sont trop beaux, hein. C'est vraiment, vraiment super stylé, mais il faut absolument que je m'occupe de les. De les référencer et si j'ai le temps, en fait à 18h j'ai une masterclass, il est 16h. Donc en 2 heures il faut que je fasse les visuels, que je travaille un peu sur mon planning de com et potentiellement que je me mette à photographier les créations. Donc faut que j'y aille, je vais me bouger les fesses et c'est parti. En train de travailler sur mon planning éditorial. Ma première étape dans mon planning éditorial, c'est de rechercher les journaux, enfin de me faire une sorte de marronnier en fait. Le marronnier, c'est un calendrier des dates importantes en fait qu'il y a dans une année. D'ailleurs, faut que je regarde là. Et j'étais en train de regarder les journées internationales. Du coup, je suis sur le site qui s'appelle journée-mondiale.com et il y a vraiment des journées absurdes. Mais alors des trucs, tu te dis, alors bon, ok, je suis d'accord, par exemple, journée mondiale de l'ostéoporose, journée mondiale de je ne sais quoi. Pas de problème, ça je l'entends, mais là, il y a la journée mondiale de la statistique. Voilà. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé pour faire ressortir l'importance du rôle que joue la statistique dans nos sociétés. C'est-à-dire que les Nations unies, à un moment donné, se sont dit, on a à peu près, je suis sûre que ça n'a pas mis 5 minutes hein, à être voté, je suis sûre qu'il a fallu bien plus de temps que ça. Donc, il a fallu quand même qu'ils prennent je ne sais combien de temps dans leur planning pour définir qu'il y avait une journée mondiale ou internationale, je sais plus, de la statistique. Mais on est où en fait là? Genre vraiment, c'est quoi le bordel en fait? Enfin moi je ne comprends pas. Bref, ça me fait halluciner. Franchement, je suis choquée par tant de pertes. Thank you.
tout le monde et me revoilà ce soir. Je vous fais simplement cette petite vidéo très rapide pour clôturer le vlog. Je pense que je vais vous filmer 2-3 petites choses pour ce week-end. Je pensais vous filmer plus parce que je pensais que mon frère allait venir, mais finalement il ne viendra pas. Je vous ferai simplement 2-3 petites vues de ce qui va se passer ce week-end et puis la vidéo sera terminée pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien, merci encore de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un petit commentaire et puis c'est la fête là-bas. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bon, je vous retrouve, en fait on est samedi, mais j'avais envie de vous raconter un peu un truc qui m'est arrivé hier. Et en fait je vous avais dit, donc je vous ai abandonné, j'étais en train de rentrer, enfin d'aller chez des copains pour fêter l'anniversaire d'un copain. On était une vingtaine, c'était cool et tout. Et puis, en fait, ils se sont motivés à aller en boîte. Il faut savoir que moi, je suis pas vaccinée, j'ai pas de passe sanitaire. En fait, je devais faire un passe sanitaire. Hein. Là, alors où je vous parle, nous sommes samedi, il est 15h et j'ai un passe sanitaire en ma possession puisque je suis allée faire un test parce que j'ai pas mal de trucs à faire ce week-end et lundi. Donc, du coup, ben... Généralement, j'essaie de grouper tout en 72 heures et faire un test juste pour tout faire d'un coup. Mais en fait, je n'étais pas au courant qu'il voulait aller en boîte parce que en fait, j'étais un invité surprise. Il n'était pas au courant que j'allais venir. Et donc, du coup, bah, par conséquent, il ne m'a pas prévenu qu'il voulait aller en boîte. Donc, moi, je n'étais pas au courant qu'on allait en boîte. Donc, j'ai pas fait de test PCR. Pour le bonjour, enfin j'avais pas réservé mon test PCR pour la bonne date, j'aurais dû le réserver pour hier, je l'ai pas fait, c'est ma faute. J'ai fait une bêtise d'adolescente, j'ai essayé de gruger, j'ai piqué le pass sanitaire d'une... Enfin pas piqué, hein, mais une copine en fait m'a prêté son pass sanitaire. Et je me suis dit franchement, il y a moyen que ça passe. Et ne faites jamais ça, hein, c'est très mauvais, c'est un très mauvais exemple. Mais le problème n'est pas là, parce que... On est arrivé devant la boîte, donc bon, on a galéré à trouver l'entrée, mais ça c'est autre chose, ils avaient changé l'entrée à cause du pass sanitaire et tout, enfin bon bref. Peu importe, ça c'est pas grave, on s'en fout. Le fait est que je me suis retrouvée à devoir en fait présenter ma pièce d'identité. Ils m'ont obligée à présenter une pièce d'identité. J'ai essayé un quart de seconde de gruger en disant mais les gars, allez s'il vous plaît et tout, j'ai oublié ma pièce d'identité chez moi, je l'ai pas et tout, enfin voilà. Ça n'a pas marché, il n'a pas voulu en entendre quoi que ce soit. Donc là, je me dis, bon ok, ça arrive, c'est le jeu, c'est ma faute. Voilà, je suis pas mauvaise dans ce genre de situation. Je sais que j'ai tort, que voilà, et qu'il fait son travail, et que voilà. Donc j'ai joué, j'ai perdu, pas de problème, tu vois, je rentre chez moi. Et sauf que j'étais pas en voiture, j'étais à pied. Et deuxième problématique dans ma petite journée, en plus d'être à pied, je me suis retrouvée sans batterie. Je n'avais pas de batterie. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai rien filmé hier, parce que je n'avais pas de batterie. Et du coup, je n'avais plus de batterie et plus de moyens pour rentrer, puisque la personne qui m'avait emmenée en voiture, elle avait son passe sanitaire, sa pièce d'identité, et tout allait bien dans sa vie. Donc, je me retrouve à devoir, aller récupérer mon sac dans la voiture de ma pote et je reviens à l'entrée de la boîte pour rendre les clés de la voiture et pour surtout que quelqu'un qui a de la batterie puisse me commander un Uber puisque la boîte était à aller en voiture 15 minutes à pied. Franchement, je pense qu'en 2 heures, j'aurais eu du mal à rentrer à la maison. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui va me prêter un téléphone et tout. Ma pote ressort plus ou moins, enfin en fait il y avait les vigiles, un petit peu après il y avait le mec qui vérifiait le pass, et en fait ils étaient sous une tonnelle, donc du coup bah en fait elle se met sous la tonnelle mais à la limite, et elle se met derrière le vigile en fait, le vigile était là et gérait la queue, et faisait un effet entonnoir de ce côté là, et elle se met derrière lui, et elle était à l'intérieur, moi j'étais à l'extérieur, on faisait pas de bruit, on faisait rien, on n'était pas là en train de faire de la merde, à essayer de gruger, juste j'étais sur son téléphone et elle était à côté de moi et on était en train de trouver une solution toutes les deux pour que je puisse rentrer.
Et je vais pour commander le Uber, et avant même que j'aie le temps de rentrer mon adresse et tout dans le téléphone, le vigile me fout sa lampe dans la figure, mais genre vraiment super violemment. Donc j'étais complètement éblouie. En plus, moi j'ai des problèmes de vue, donc clairement, quand tu me balances ça dans les yeux, enfin, même à n'importe qui, de toute façon, c'est pas très agréable. Voilà. Et il me dit, toi tu dégages, tu te casses de là. Donc je dis, mais en fait, je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai pas ma pièce d'identité, donc je peux pas rentrer, mais en fait, j'ai plus de batterie, il faut que je commande un Uber, en fait. Donc 2 secondes, je commande un Uber avec le téléphone de ma pote, et après, je m'en vais. J'en ai rien à foutre, tu te casses de là, t'as qu'à rentrer à pied. Donc là, je dis, mais en fait, tu comprends pas, je suis toute seule, il fait nuit, je peux pas rentrer à pied, j'habite super loin, je peux pas. Et ma pote va pour me suivre en fait, parce que bah, je m'en vais, puisque le mec avait toujours sa lampe braquée sur mes yeux en mode tu te casses et tu dégages sinon je te casse la figure. Et là, il chope ma pote et il lui dit, toi, si tu sors, je ne te fais plus re-rentrer. Elle venait d'acheter sa place. Donc, c'est-à-dire que le mec, il lui dit, en gros, tu aides ta pote, tu ne rentres plus dans ma boîte. Alors que je n'avais rien fait. En plus, c'est ça le truc, c'est que j'avais absolument rien fait. Et franchement, et j'avais été très aimable, très polie, très gentille avec eux. Enfin, genre, vraiment, j'avais pas pris la tête alors que j'aurais pu râler parce qu'ils me demandaient ma pièce d'identité. J'aurais pu, enfin voilà, j'aurais pu faire la casse-couille, hein, clairement. J'ai été adorable, j'ai essayé de pas faire de vagues, ben voilà, c'est pas grave, tu vois, ça arrive, c'est le jeu. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est la vie. Franchement. Trop énervée, vraiment trop trop énervée. Et résultat, ma pote est sortie pour m'aider à commander un Uber quand même. Et après, elle a galéré pendant presque 15 minutes à ce qu'il la laisse rentrer. Et il a fini par la laisser re-rentrer parce qu'elle a pété un scandale en fait, en lui disant que c'était inadmissible en fait. Bref, c'était une soirée très mouvementée. Résultat, je suis rentrée, il était 2h du matin, voilà, après avoir fait le tour de la ville en voiture. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est le jeu, c'est comme ça. Bref, sur ce, eh bien, je vais aller, je vais vous emmener avec moi, on va dans un festival là, ça va être cool. Et puis voilà, c'est parti. On a le droit à 3 essais. Ça c'est le deuxième. Attention, c'est bientôt. Attention, vous êtes prêts?